c'est une atmosphère spéciale. Ici à Aix, il y a la localité, l'endroit qui est quand même une présence très claire d'une civilisation méditerranéenne qui est toujours très agréable pour les gens qui habitent tout au nord. En 1983, Christine de Trincon, qui dirigeait l'atelier de musique ancienne d'Aix-en-Provence et qui le dirige toujours, m'avait invité pour faire un concert au musée de Marseille et un stage de la technique et l'interprétation de la musique ancienne. L'année suivante, elle m'a redemandé, ça s'est passé à Aix, cette fois-ci, et à partir de 1990, on est dans la musée Vendôme, qui nous sert d'un cadre idéal pour nous perfectionner dans l'instrument, dans l'interprétation, dans une atmosphère de certains raffinements du XVIIe, XVIIIe siècle. Trois luthistes et je crois 5 ou 7 guitaristes, et on a quand même fait un travail ensemble dans la suite d'années de ce stage. La proportion entre guitaristes et luthistes a changé complètement. Au début, quand j'ai commencé à donner des cours, c'était gratifiant pour moi de donner la réponse, de donner l'exemple, ça me stimulait. Mais maintenant, avec une ou deux gouttes de sagesse de plus, peut-être, je le vois plutôt de faire découvrir à l'élève ses propres tendances et de lui aider à trouver une manière de l'améliorer. Très bien. Et si tout de suite on essaie d'établir dès le début une présence un peu plus claire, et pour pas que peu à peu, on se rend compte. Ah oui, maintenant c'est la pièce. Il y a cette fameuse phrase dans le traité de Mary Burrell qui dit que le public idéal pour écouter le loop, c'est 4-5 personnes, même dit peut-être 3-4 personnes. Mais s'il y avait 300 personnes, comment allais-tu commencer cette pièce? Essayons. Thank you.
préfère, musicalement et artistiquement, disons, comme base, la version pour 300 personnes, que je crois irait très bien pour 30 aussi. Thank you.